Et salut à toutes et tous, on se retrouve pour ce septième, déjà je crois, épisode sur Rise of a Tomb Raider. Et donc on va continuer la petite aventure, tout ça, tranquillement. Alors il me fait monter. C'est pas. T'as pas bonne mine, mais au moins t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe. J'aurais tant voulu qu'il voie ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara, ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Les fondateurs de Kitej étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Le s'il te plaît, c'est pour les chiens. Ah là là, ces aristos. Incroyable. Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité juste sous le lac. Mais il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Kitej ne se trouve pas sous le lac. La cité sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette place? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément... ici. L'entrée de Kitej est ici. Vous le saviez. Ils vont récupérer l'Atlas. Voilà. Ah non, c'est jeune homme qui fait rien. Tu es là. Lara, attrape ma main. Elle aurait pu largement remonter avant. Il faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... je peux pas laisser tomber Jonah.
Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Des cinématiques, encore des cinématiques. Encore plus de cinématiques. Bon, c'est pas du Kojima, mais... Si Jonah est en vie... Ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Retour au goulag. Ton. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Il y a plein de trucs, hein, là. Top. Ce truc là, bref. Chop. Le coffre ici. Tête de flèche crantée. Lancer des flèches à escalader dans du bois tendre pour atteindre ça. Ok. Juste, est-ce qu'on avait des points? Je crois pas, hein. Je crois qu'on avait tout utilisé. Ah ouais, c'est une par une. Ou alors il faut qu'elle soit en dehors. Ok. Faut qu'elle soit en dehors. Eh, une plaque. Encore de la propagande. Mais le niveau de russe est déjà au max. Très bien. Zzz. Bah bien ça. C'est joli ça, bravo Lara. C'est bien joué. J'aurais pu regarder s'il y avait du matos ou quoi que ce soit au-dessus, j'ai été con. Tyrolienne, yeah. Ah oui, c'est du Baba Yaga, ça là-bas, ouais. Ouais, on s'en fout. Oh. Ah putain. La tempête se rapproche. Et c'est trop loin. Faut la jouer comme ça en fait. Thank you.
Ouais, mais je vois pas trop l'intérêt alors du truc. Très bien. Y a du bois là. Des feuilles, autant pour moi. Je fais déjà plein. Ok. On l'a déjà lu ce truc là? Je sais plus. Ouais. Il y a un feu de camp ici. Ah oui. C'est vers notre ami là. Ok. Je sais plus si on l'avait lu, la plaque qui était à côté de son truc, ouais. On n'a pas trouvé pas... pièce d'or. Je crois 14, qu'il ouais. À se douter de quelque chose. Il se peut que je doive m'éclipser en vitesse. Non, pour le moment, j'ai pas ce qu'il faut. Je sais pas si on pourra. C'est nickel. Je sais pas. Ah là. Ça permettra d'avoir un moyen de s'échapper. Y'a rien là, si, un dictaphone. Je sais pas si tu m'entends là. Bla bla bla. Coffre. Fusil à pompe poteau. Un pépon. Le pépon, le pépon. L'explorateur est encore dessous. Aha! Wow! Tout ça juste pour aller chercher le dernier point de compétence en castagneur. Voilà, accro au perfectionnement. Le trophée. Tout ça pour un trophée. Putain, mais t'es sérieux. Tu veux pas t'accrocher là-dessus là? Bon bah c'est pas grave, hein, on va regrimper sur les flèches quoi. Aïe 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 aïe. L'inutilité du finalement de la ficelle qu'on a mis, de la corde. De la tyrolienne pour être exact. C'est pas grave. Non. Ok. Alors. Il faut que je trouve un refuge. Oui, bah il y a la grotte juste devant toi. Oui, non, mais j'avais bien compris. Hop, qu'il fallait aller se mettre dans la grotte ici. Voilà. Elle est gelée. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa.
Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. Quand même les souvenirs te poussent à aller rechercher Jonah. Allez. Let's go. Alors, il nous propose deux solutions, je suppose. La solution ici. Et celle-là. Je sais pas bien pourquoi il y avait deux solutions, mais c'est pas grave. Du moment qu'on avance. J'ai même pas regardé à combien de pourcents du... Je sais pas si... Je sais même pas ça ce que c'est. Ok, c'est, ça réexplique les différents éléments qu'on a. Ok. Ouais. Ok. Pour le moment, ça va. Mais c'est vrai que je sais pas à combien de pourcents du jeu on en est. C'est... J'ai pas regardé avant de lancer le chargement. Ouais, on va pouvoir se balancer. Et je me balance. Heureusement que j'avais le beau doigt sur carré. Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend ? Non. Non. C'est sûr. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Fanatisme religieux. Maintenant, nous sommes proches de la fin. Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts. Non. Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi, tu ne mourras pas. Ils vont tous les deux mourir. Ça se sent gros comme une maison. Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. Salut. Faut qu'on se dépêche d'aller sauver Jonah. Il a rien vu. J'ai juste récupéré une flèche et deux points d'expérience. Très bien. Ça valait le coup de tuer cet écureuil. Je suis pas sûr, mais je crois entendre un ours. Du coup, dans le doute, le poison. La meilleure arme du jeu, en fait. Des traces.
Alors ça, c'est des traces de chenilles. Et quand je parle de chenilles, je parle pas de la petite bestiole. Merde, ils sont partout. Pour l'instant, j'en vois aucun, donc... C'est surtout ça qui m'inquiète en réalité. Gâchette qui me démange, désolé. T'avais bougé, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Le poison. C'est vrai que pour le moment j'en ai que deux, mais enfin je peux pas en avoir plus que trois. Et ça m'emmerde. Je peux pas grimper sur le camion au cas où. Le lapin a détalé trop vite. C'est bien Lara, mais le saut est fantastique. Bravo, bravo. Pourquoi ce coup-ci tu y arrives et tout à l'heure tu n'y es pas arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le camion était trop lourd. Bon, c'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Faut pas qu'on prévienne? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher? C'est pas sûr. Constantin a juste donné l'ordre. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Oh, t'as du monde ici. Voilà. D'autres ennemis par hasard ou pas? C'est ta première opération sur le terrain pour les Trinitaires? Non, j'ai participé au nettoyage de l'île après l'évasion de Croft. Dure mission. Cadeau. Merde, je peux pas aller le looter lui. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette vibration. C'est le peu de batterie du téléphone qui me sert à vous lire. Et un mail. Non mais ça j'avais compris. Hop. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Non,
s'est bien passé, l'attaque de l'observatoire? Ouais, on a récupéré la glace. Ils l'ont emmené à la station météo. Pourquoi là-bas? Je sais pas trop. J'ai entendu des bribes de transmission à propos d'Anna, qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire. J'en sais rien. Alors il faudrait qu'ils se rapprochent l'un de l'autre pour que ce soit véritablement utile. Mais ils sont plus que deux. D'autres. Putain, alors ça, c'est cœur, ça se fait qu'un de pas pouvoir grimper là. Bien parce que la musique dit qu'il y a plein d'ennemis, mais je vois personne. Où je suis très bien. Je l'ai jamais vu, mais il sait que je suis là. Par contre, il est mauvais en tir. Hein. Je ne veux pas dire qu'il était particulièrement brillant en visée. Mais bon. On peut pas trop en attendre au niveau de l'IA d'un jeu. Une pièce, très bien. C'est pas avec ça qu'on va aller très très loin, mais... Un feu de camp. Anna est dans le coin. Un artefact. C'est un seau pour sceller les lettres du Trinitaire. Presque plus personne n'utilise ça. Super. Soupe. On peut améliorer de l'équipement, ok. Porteur touche fixé à l'arme permettant nettement la quantité. Ouais. Pas sûr que ce soit le truc le plus avantageux. Là, qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, rien sur cet arc-là. Mouais. Pire. Mais du coup, on peut plus rien améliorer, c'est ça? C'est ça que tu me dis? Ouais. Parfait. Let's go. Ok, c'était pas la meilleure idée du monde. Ah oui, d'accord. Tout simplement.
C'est vrai que j'ai le respirateur maintenant. On dirait bien. Les équipes de démolition sont déjà. Genre j'ai noyé son pote, il en a rien à foutre. C'est pas très discret. Genre y a rien dans le camp là. Ça j'aurais trouvé ça choquant en fait s'il y avait vraiment rien eu. Top. 2 sur 4. Très bien. C'est pas comme ça qu'on débloquera tout le truc. Constantin en Syrie ? Ouais, c'était un sacré bordel. Constantin s'attendait pas du tout à tomber sur elle. Elle a réussi à faire s'effondrer le tombeau tout entier sur nous. Un vrai boulet, ça. J'ai l'ordre de la ramener en vie. Tu peux l'oublier. Elle nous cause trop de problèmes. Ils auraient dû s'en débarrasser quand il est mort. Il a un casque, mais ça a pas l'air de poser de soucis. Je m'en fous de ça, ce que je veux, c'est looter le mec, moi. Il n'y en avait pas deux. C'est tout seul, lui. Ah non, l'autre, il est dans les... Il est dans les fraises. C'est beau le loot. Ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe? Ce putain de camion est foutu. C'est pas grave, on a... Hein, quand même qui a survécu à la détonation. C'est quand même beau. Par là-bas donc. J'ai looté lui. Oui. Continue à avancer. Il y a quoi là? Un hélico. Juste ce truc là. Très bien. Ça fait toujours un petit peu d'XP quoi. Mieux que rien. Il y a un truc là à repérer. Du texte. Du lore, encore du lore, un artefact. Un pendentif. Non, c'est un reliquaire moderne. Ouais. Il contient un minuscule os humain. Saint Pérégrin. Saint patron des malades incurables. C'est beau. À tous les coups, ça appartient à Anna. Nous sommes à l'aube. Et blablabla, bla bla, Constantin aime sa sœur, c'est très bien. On m'en dira pas plus. Mmh.
L'inceste, c'est mal, vous voyez. J'ai même pas vu où était le trou. Ah d'accord. Je suis juste blessé. Fantastique. On peut pas s'accrocher là-dessus. Alors Lara c'est bien mais faut que tu grimpes correctement aussi. Je peux pas tout faire. Ouais, alors avant on va quand même récupérer ce truc là. Hein. Une cartouche de fusil. Mais elle a quelque chose de spécial. Ouais, il y a un truc décrit en dessous. Il y a une inscription en latin en bout. Tuez-les tous, tu reconnaîtras les siens. Fantastique. En latin, et ça nous augmente nos stats en grec. Si c'était pas du foutage de gueule. À gauche à droite, ouais, y'a du taphone. Je refuse de mourir dans cette. Ouais. Très bien. Un autre dictaphone, putain la vache. Je me suis rapproché cette fois. Ok, bah, let's go. Let's go. Grimpons. Faire un serment. Jonah. Est-ce qu'il y aurait pas une méga tyrolienne of Doom? Attends. Il y a peut-être des trucs à récupérer ici. Non, il y a rien. Sérieux? Ah, c'est la tristesse. Ah, une tyrolienne. C'était sûr. Négatif, on passe à la phase suivante de l'opération. Préparez-vous à partir. Oh merde! T'es à moi! Pardon, tu disais? Ah oui, non mais oui, j'avais pas vu. Un peu d'ambiance quand même. L'arrivée la plus discrète du monde. Mais il n'y a personne. Très bien. C'est beau. C'est beau, c'est beau.
Votre loyauté envers elle est totale. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant. Ratissez les cellules. Tuez-les tous. C'est vrai qu'un couteau, c'est pas une arme. Je suis tellement désolée de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. Alors, on va. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant, mais je t'en prie, si tu lis des choses déplaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Elles les effraient même peut-être. Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout. Ces gens qui avaient peur. Est-ce que c'était les Trinitaires? Tu ne m'as jamais dit. J'imagine que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ils m'ont retrouvé. Je vais devoir les affronter. C'est vrai que la capacité de munitions là-dessus, ça pourrait être pété quand même. Faut en prendre un peu plus. Hop. Là, il y a un truc. Il y a des matériaux. On a du pétrole ici. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais, il y a des trucs là. Avec un peu de chance, on peut peut-être réaméliorer quelque chose et taper plus fort. Non, on peut pas. Très bien. Commandement, on est en position et on a la vie. Il faut que je m'en débarrasse. Confirmé. Cible terrain. Allez là. D'autres volontaires. Confirmé, prêt à
C'est chaud, effectivement. Mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Je suis cerné. Faut que je fasse attention. Glou glou. Oh merde, il m'a vu. Je pensais pas. Vous savez que cette phase, ça va me gonfler. Oh, je le sens. Putain. Ouais, je peux pas sortir. Ouais, si je sors de l'eau, je me fais descendre. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a plus en visuel. Je suis cerné. Faut que je fasse attention. Qui veulent s'approcher là ou... Oh putain. Il faut qu'ils s'approchent mais faut pas que je sois visible, c'est chiant ça. Et le problème étant que on voit pas forcément s'ils nous voient ou pas. Puis on les voit pas forcément. Tu vois, là par exemple, si je le voyais plus, là, c'est chiant. Très très chiant. D'en looter quelques-uns. Fantastique. Oh non, pas ça, non. Jonah. Jonah. Laura. Je suis là. Laura. Faut que tu m'écoutes. Essaie de ne pas bouger. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsable de nos choix. Oui, il est dead.
s'en sortira pas. Non, il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Tu sens que Jacob, c'est le prophète en réalité. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, si c'est pas le cas, je me marine tout seul, je me montre des trucs tout seul, mais ça... C'est ma vie, c'est mon destin, c'est moi qui l'ai choisi. Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah maintenant. On doit le ramener à l'observatoire. Ouais, une sauvegarde auto... Avec un temps de chargement. Ah ça, c'était pas si long que ça. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives... Lorsque l'ennemi a pris Kitej d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Il passe à l'action ! Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche. Quand vous serez prête, vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre ami. Ok. Alors juste, je sais pas s'il y a du matos. Alors le chemin le moins fréquenté. Ouais, y a rien à part une caisse de matériel ici. Ouais, pour un boulot.
très bien, fantastique. Ici. Il y a un feu de camp, mais il y a surtout un truc qui brille. Alors. Pour 3 boulons. Fantastique. Mais est-ce que les quelques boulons qu'on a récupérés permettent 2-3 trucs? Les arcs en corde. Qu'est-ce que tu veux foutre des arcs en corde? J'ai aucun arc plus puissant, on est d'accord. J'ai déjà mis sur. Souffle fatal. Et à part le temps de charge. Ouais. L'arc bientôt sera full opti. Très bien. L'arc sera bientôt foulé. Hop, quelques feuilles. On a vraiment. Il y en a quelques petits trophées qui se déclenchent. C'est beau. C'est beau. Bah non. C'est pas vrai. En même temps, le planétaire. Oh, y a un truc qui brille en contre le bas là. Je suis obligé. Je suis désolé, ça brille. Telle une pie. Ah merde, je parlais dans le vide en fait, je sais pas si vous avez entendu. Le micro était relevé. Alors, on va en mettre une ici. Et une plus loin. Je sais pas si c'est suffisamment proche, ouais. Voilà. Des champipis. C'est vrai que ça... Alors c'était pas celle-là que je pensais avoir équipé, mais... Voilà. Alors, on va en mettre une... ici. Une là. Il en faut une... On va en mettre une là. Putain, mais pourquoi ça a pas pris? Là. Et là. Voilà, au cas où. Voilà. Alors, il y avait le chemin en bas et le chemin au-dessus. Et le chemin au-dessus, c'était pour un sac. Très bien, c'est fantastique. On prend. Un sac et en dessous on a un feu de camp et des champs pipi. Top. J'ai vu aussi qu'il y avait de quoi. Voilà. Ici. Il y en a là-bas aussi. Toujours bon à prendre, même si j'en utilise pas tant que ça. On sait jamais. Ouais, c'est par là-bas, mais il y a un truc qui brille.
La soif de connaissance. Ok, on est full champ pipi déjà. Incroyable. Jacob, je suis en route. Qu'est-ce qui m'attend là en bas ? Nous n'y avons pas mis les pieds depuis que nous avons condamné cet accès. Il y a des siècles. Mais vous serez en sécurité. Jusqu'à ce que vous passiez le planétaire. Une annexe de l'observatoire ? Oui. Il a été conçu par mes astronomes, avant que les immortels n'enterrent la cité antique. Vous allez devoir le manipuler pour ouvrir l'accès à Kitej. Très bien. On va se glisser par là. C'est pratique. Plus bas encore. Ok. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, comment est-ce que ça marche ? Il va y avoir des trucs à faire tourner. Genre ça, là, ça tourne. Faut que ce truc là soit en face de là-bas. Voilà. Éventuellement faire tourner ça. Ouais, alors peut-être pas comme ça. Putain, mais. Il a du mal. Hein. Ou qu'il a du mal. Ok, c'est bon. Top. Hop là. Top, top, top. Hop là. Y a des trucs ici, des pièces. C'est verrouillé. Il suffit de désenclencher le mécanisme. Faut que j'aille de l'autre côté maintenant, c'est ça. Yes. Il y a des trucs là, remis là-bas. On va aller voir là-bas.
Hop là. Les Mongols ont tout détruit. Et la cité a sombré dans la glace. Les Mongols. Les Mongolos. Voilà. Allez, maintenant il nous reste plus qu'à replier ce truc là. Le peuple de Jacob était très en avance sur son temps. Fais attention, Lara. Bah, je me suis pas accroché sur le machin. Très bien, je pensais. Voilà, le souci c'est de savoir où est-ce qu'on va maintenant. Il ne me reste plus qu'à atteindre le sommet. Tout est une question de timing. Ah ouais, non mais le sommet. Ah. Ouais. Non. Bien joué. Raté. Fantastique. Je vois absolument. Il ne reste plus qu'à atteindre le sommet. Tout est une question de timing. Ok, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est ok. Ok. Ce truc là, il y a plein de trucs à looter. Qu'est-ce qu'on va apprendre avec ce vieux codex? Celui-ci traite des techniques d'archerie de pointe développées à Byzance. Entraînement classique. Ok. Des matériaux, des tacs, des pièces. Ok. Je m'excuse. C'était un peu plus violent que ce que je pensais.
Hop. La cité antique est tout près. Lara, on est sur la montagne, au-dessus du glacier. Vous voyez les Trinitaires ? Ouais, ils commencent leur opération. Je viens d'arriver à la cité antique. Écoute, Sophia, il ne faut pas les attaquer trop tôt. On va attendre un peu. Je te contacte bientôt. Ouais. C'est fou pour ce... Bla bla bla. Ok, let's go. Ça va dans quelle langue il parle. Très bien. Pas de QTE, j'ai eu peur. Allez. Ok. Un peu d'XP. Avec rien à faire, très bien. Ou tout du moins on ne peut rien faire puisqu'on n'a pas de point, on n'a pas de point de compétence ni rien à poser. Le long du mur. Une baliste. Bon. J'ai un peu de mal à me. Il y a un mec qui a une drôle d'arme quand même. Oh.
C'était sûr qu'il y aurait un truc ici. Je laisse ces notes à celui qui aurait l'infortune de marcher sur mes traces. Des Mongols. Ah putain, on est que niveau 1 en Mongol. La vache. Un point de compétence. Depuis le temps que je dis que je voulais l'améliorer. Hop. Ça fait quoi, 1h18? On a encore un petit peu de temps alors. Alors là il y a un descente, donc je suppose qu'il y a des trucs à... Voilà, c'était sûr. C'est sûr. On va sauvegarder ça. Regarde un passage. Rien à améliorer. Ok. Merde. Plouf. Genre il voit pas la main. Putain, mais il est où? Ah, il est là. Ah.
Je sais pas trop par où je suis censé aller. Ouais, c'était un peu la folie. Wanna play for... Pour des archers byzantins qui sont censés bien savoir viser, je les trouve un peu... Non, ils ne sont plus. Attends, il y a peut-être des trucs là où ils étaient. Il y a 2-3 trucs, mais ça casse pas 3 patins à un canard. C'est des grosses haches, mais celles sont bizarres leurs haches. Ouf, j'ai pris un poil cher. Ok, je sais, c'est pas terrible. Il est où? Là. Combat d'archers. Ah là là. C'est beau. Au polo. Ils vont m'envoyer un boss ou... C'était censé être ça le combat de boss. Ouah, attends. Peut-être pas besoin de les fabriquer. Les fabriquer, pardon. Hop, les feuilles là, il y a un truc qui traîne ici, c'est un mongol qui a laissé des ça. Années durant. Bla bla bla. Un artefact. Ça, c'est vraiment étrange. Il y a des éléments de style Sith. Mais ça ressemble à... Non, impossible. À quoi? Pour le coup, j'ai pas. Est-ce que...
trucs qui font très très grec, mais grec archaïque. J'ai vraiment aucune idée de ce à quoi elle pouvait penser au niveau de la figurine qu'on a trouvée juste avant. D'accord, j'avais même pas vu qu'en fait c'était déjà une tyrolienne. Très bien. Effraction, trouver un accès. Putain, j'avais pas vu que le titre de la mission c'était effraction. Voilà. Fantastique, je vais encore m'amuser à remonter deux VOD, deux épisodes Twitch Lara, entre guillemets. Ils vont réussir à percer la glace d'une minute à l'autre. Tu crois que vous pouvez les arrêter? Tout ce qu'on peut faire, c'est les ralentir un peu. On se retrouve de l'autre côté. Donc au prochain feu de camp, on s'arrêtera. Comme ça, moi, ça me permettra de récupérer une... la VOD, etc. Sans trop de soucis techniques en soi. La chambre des âmes, la source divine doit être ici. C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité. Bah voilà. Bah on va se passer là-dessus. Ah super, ça va faire un... Oh, vous êtes content et moi aussi. Pourquoi tu veux pas le lire, Lara? J'ai échoué. Voilà, hein, bref. Je suis très déçu. Je ne comprends pas pourquoi la co a lâché comme ça d'un coup, sans prévenir. Mais bref. Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel. Top. On fait encore ça histoire de bien s'assurer que la sauvegarde est bonne. Voilà. Et du coup, on va se laisser là. Voilà, on va regarder à combien de pourcents du jeu nous en sommes. Et on va se laisser. Ça va pas être prête. 62%. Ok, donc on a encore un peu de marge à faire. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et à ciao, à plus.